Le masculinisme, c'est pas qu'une idéologie de petits puceaux frustrés dans leur chambre qui insulteraient des femmes sur Internet, il y a de ça, mais c'est aussi une idéologie qui tue beaucoup de personnes chaque année. Le masculinisme, ça naît dans les années 70, à cette période où les mouvements féministes s'organisent entre eux, commencent à discuter entre eux, et les féministes disent à leurs copains, à leurs mecs, à leurs maris, si vous voulez nous aider, réunissez-vous entre vous et commencez à discuter pour trouver des solutions. Il y a deux courants qui naissent. Un courant qui dit qu'être homme, en fait, c'est la socialisation masculine. On ne naît pas homme, on le devient. Et il y a un autre courant qui pense qu'au contraire, on est homme avec des caractéristiques masculine dès la naissance. Et ce deuxième mouvement-là, c'est ce qui va devenir les masculinistes. On a plein de termes, de terminologies, et notamment la sous-communauté la plus connue, c'est celle des incels, involuntary celibate, donc célibataire involontaire. Et en fait, c'est une sous-communauté qui est persuadée que c'est la faute des femmes s'ils n'arrivent pas à accéder aux relations affectives et sexuelles. On pourrait avoir tendance à penser que le masculinisme, c'est que l'équivalent, le pendant masculin du féminisme. C'est pas du tout le cas. Le masculinisme, c'est une idéologie, c'est un courant de pensée antiféministe qui vise à une domination des hommes sur les femmes et à l'éradication du féminisme. Les masculinistes profitent de cette méprise linguistique entre masculinisme et féminisme parce qu'on aurait tendance à dire « Ah ben si les femmes ont le féminisme, pourquoi les hommes n'auraient pas le masculinisme ?» Et donc du coup, on a tendance un petit peu à confondre les deux mouvements, ou en tout cas à se dire que c'est deux opinions qui auraient toutes les deux leur légitimité en étant dos à dos. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le masculinisme, c'est une idéologie qui est dangereuse parce qu'elle vise à l'éradication des droits des femmes et des personnes LGBT. Les réseaux sociaux, c'est les meilleurs amis des masculinistes parce que c'est un espace où ils ont su se rassembler, ils ont su communiquer entre eux, ils ont su s'organiser également. Et aussi parce que la plupart des mouvements conservateurs et réactionnaires ont trouvé en Internet et les réseaux sociaux une manière de se développer et une manière d'agir selon cette grande théorie du complot, comme quoi les féministes auraient colonisé toutes les instances de pouvoir, tous les médias, et donc les masculinistes n'auraient qu'Internet quelque part pour pouvoir se rassembler. Et c'est aussi un endroit où ils exercent de l'influence, particulièrement vis-à-vis des jeunes. On a énormément d'influenceurs, de créateurs de contenu masculiniste qui se retrouvent à noyer le public, et particulièrement les jeunes garçons, de contenu et ensuite à proposer des abonnements payants. Il y a différents types d'influenceurs masculinistes. Il y en a certains qui vont être très liés par exemple à certaines sphères politiques et notamment l'extrême droite. Là, on va avoir un investissement de la part de certaines marques d'extrême droite qui font des t-shirts patriotes par exemple, ou alors des stages pour retrouver sa masculinité, etc. La plus grande instance, je dirais, c'est au niveau des influenceurs masculinistes qui sont très proches de la sphère fitness, musculation, bien-être, développement personnel. Et là, on va avoir des investissements de la part de marques qui vont proposer des compléments alimentaires pour être beaucoup plus musclés, par exemple, voire même des cliniques de chirurgie esthétique pour pouvoir refaire sa mâchoire, avoir une mâchoire de Chad, c'est-à-dire d'homme suprême, de mâle alpha, quoi. Aux États-Unis et au Canada, on a eu dans les 10 dernières années plusieurs attentats antiféministes et terroristes, que ce soit la tuerie d'Isla Vista par Elliot Rodger en 2014, où il avait tenté de rentrer dans une sororité étudiante pour tuer toutes les femmes qui s'y présentaient, que ce soit Alec Minassian en 2018 qui a foncé dans la foule avec une voiture bélier à Toronto. En France aussi, en janvier 2020, il y a une jeune femme qui s'appelle Mélanie qui a perdu la vie parce que son ex-compagnon, Michael Filetas, qui est toujours d'ailleurs coach en séduction sur YouTube, l'a tué de plusieurs dizaines de coups de couteau. Sa chaîne YouTube, elle est encore en ligne. Sa dernière vidéo, elle a plus de 12 000 vues et on a plein de commentaires qui disent « Michael, on attend que tu sortes de prison pour continuer à nous donner plein de conseils en séduction. » Ce qui prouve que, en fait, le masculinisme tue.